Et il ne faut pas qu'on oublie que quand les anges sont venus trouver les bergers dans la nuit de Noël ou après, ils proclament la même chose, ils disent gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais sur la terre, il faut qu'il y ait la paix. Il ne faut pas qu'on oublie les deux. Il y a la louange qui est en haut, et puis il faut que la paix, elle descende en bas. Il faut que nous la recevions. Alors, bienvenue à vous pour ce premier avant. Dis aussi bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet. Joyeux premier avant, on va le dire comme ça. Il y a un changement qui se produit par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on est à l'église. L'année dernière, j'étais assis sur mon canapé. Il faisait plus chaud. Et il y a 2 ans, on a eu pour la dernière fois possibilité de fêter l'Avent et puis d'avoir un repas ensemble après. Donc il y a eu des changements depuis ce temps-là, depuis ce moment-là. Il y a des changements qui se sont produits et on n'en voit pas encore le bout. Mais en même temps, nous sommes en route. Et moi, j'aime cette perspective. Nous ne sommes pas coincés ici, peut-être en train de nous lamenter ou de râler ou de gémir ou de nous réjouir, mais on est en route et on est toujours en route d'une certaine façon et nous regardons en avant, j'ai envie de le dire ce matin, avec espérance parce qu'il y a un temps nouveau qui va venir. Et il faudrait que tout le monde puisse dire Amen, parce que c'est vraiment ce que nous croyons, enfin c'est ce que je crois, donc je suis peut-être le seul à dire Amen, mais je le dis alors. Il y a un temps nouveau qui va venir, où nous pouvons laisser derrière nous ce qui a besoin de l'être. Il y a des choses qu'on abandonne et qu'on ne veut pas emmener avec nous dans une nouvelle saison que le Seigneur nous invite à vivre. Re-amen. Je l'ai rappelé la semaine dernière, l'éternité. Ce n'est pas quelque chose à vivre dans l'avenir une fois qu'on est mort. L'éternité se vit ici et maintenant. Et nous avons lu cette semaine, pour ceux qui ont la curiosité ou le plaisir de lire notre plan de lecture, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que celui qui était là hier avec moi, sans que parfois je le reconnaisse, il est là avec moi aujourd'hui et il sera avec moi demain, tous les jours, comme il l'a promis, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est en route avec nous. Je ne suis pas tout seul à marcher sur le chemin de ma vie. Jésus marche à mes côtés, ou je préfère encore dire, je marche à côté de lui. Et si vous avez écouté le texte de l'évangile, de l'entrée de Jésus à Jérusalem, vous avez vu qu'il y avait la foule qui marchait devant et il y avait ceux qui marchaient derrière. Jésus était au milieu d'eux. Et bien aujourd'hui encore, il est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume à venir. Ou un royaume du passé, il est là au milieu de nous. Et c'est le thème aussi de cette semaine qui est importante pour nous, c'est que le Seigneur, il est en train de venir. Et c'est ce que nous dit aussi le texte de ce matin, qui est un texte prophétique du prophète Jérémie. Il dit à partir du verset 5 au chapitre 23, Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel. Où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé, Israël habitera en sécurité. Et voilà le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir son peuple d'Égypte », mais où on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils étaient chassés, et ils habiteront alors dans leur pays ».
Amen. Voilà que les jours viennent, déclare l'Éternel. Je pourrais m'arrêter juste à cette parole-là, juste à cette parole-là. D'abord parce que c'est une promesse. Il y a des jours qui viennent. Il y a une promesse derrière cette parole. Et ensuite parce que c'est le Seigneur, l'Éternel, qui le déclare. Celui qui accomplit ses promesses. Et en même temps, puisqu'on est là sur la terre, il s'agit pour nous d'attendre que ça se produise. Qu'il vienne. Alors on sait tous, évidemment, qu'il y a plein d'images qui peuvent parler de l'attente. Mercredi, on va commencer à ouvrir nos petits calendriers de l'Avent. Dans nos supermarchés, il y en a de plus en plus, hein, de toutes les sortes. Hein, voilà. Un calendrier qu'on ouvre tous les jours. Pour une grossesse, on sait qu'il y a normalement 9 mois à attendre. La seule différence entre ces attentes qui sont humaines, on fête Noël, on attend une naissance, c'est qu'il y a un délai plus ou moins long qui est fixé. Pour le retour de Jésus, puisque nous l'attendons, c'est un peu l'inconnu. Il faut le dire. Même s'il y a des signes avant-coureurs qui sont donnés et que d'une certaine manière nous vivons déjà. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Frères et sœurs, la fin est proche. Et là, vous pouvez aussi faire comme ça ou dire Amen, peu importe, mais la fin est proche. En tout cas, plus proche, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'épître de Paul aux Romains, plus proche qu'au moment où nous avons cru. Plus proche que le temps où Jérémie a écrit ses paroles de la part de Dieu. Donc il faut qu'on attende. Mais attendre, ça ne veut pas forcément dire pour nous attendre de manière passive. On n'est pas assis dans un aéroport. Alors je ne vais pas utiliser l'Afrique du Sud parce que pour eux c'est un peu compliqué en ce moment. Mais à 10 000 km de chez nous, à attendre un vol qui aura lieu dans 10 heures, sans internet, sans téléphone, sans parler la langue du pays. On n'est pas là à attendre passivement. Nous sommes invités à être dans une attente qui est active, parce que nous sommes en chemin et que nous pouvons aller au-devant de ce qui nous attend ou de celui que nous attendons. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'observer les gens quand ils attendent quelque chose. Sur le quai d'une gare, par exemple, quand ils attendent leur amoureux ou leur amoureuse qui arrive. Le train arrive, généralement, quand ils le voient ou quand ils la voient, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se précipitent. Ils ne restent pas comme des poteaux debout à attendre. Ils se précipitent vers celui ou celle qu'ils aiment. La semaine dernière, quand j'étais à la Méno, voilà, comme ça vous saurez tout, ce qui fait le dimanche après-midi parfois, en attendant de monter, prendre ma place au stade, il y a tout d'un coup, il y a l'attaquant du Racing, Ajorc, qui arrive. Il était suspendu, donc il n'était pas sur la pelouse, il s'est installé en tribune. Et puis il fallait voir les gens, quand ils l'ont vu arriver, déjà il est grand, ils se sont précipités sur lui. On veut faire une photo, on veut faire un selfie, tout ça. Ok, je me suis abstenu. D'abord parce que, voilà, il y a une différence de taille quand même trop importante. Ou alors, comme au premier confinement, quand vous alliez les premiers jours dans un supermarché et vous voyiez les gens se battre pour un paquet de papier de toilette. Ils n'étaient pas passifs. Un peu déglingué, sans doute, mais pas passif. Et il y en a même, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, qui travaille dans un supermarché, qui me l'a dit, il y en a même qui se battaient pour un paquet de nouilles alors qu'il y en avait dans le rayon. Et ils se tapaient dessus. Donc, l'attente active, ça ne veut pas dire en arriver au point, on est d'accord. Mais quand même, il ne faut pas juste qu'on soit et qu'on reste assis à ne rien faire, mais qu'on se lève et qu'on bouge.
Et en même temps, je rajoute quelque chose. Si le temps de l'Avent, c'est un temps d'attente active, il ne faut pas non plus qu'on se trompe de course. Parce qu'on peut courir et courir encore et passer à côté. Le peuple d'Israël à qui Jérémie s'adresse en premier, il a vécu un temps d'avant qui a duré des siècles, avant que Jésus n'arrive. Et il l'a vécu comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Le peuple, il a dû se déplacer, il a dû bouger. Et là maintenant, je suis dans quelque chose. Voilà, merci de... Il a dû se déplacer. Il a dû se déplacer de l'Égypte au pays de Canaan, ensuite du pays de Canaan jusqu'à Babylone, et puis de Babylone de retour dans son pays. En traversant la mer, en traversant des rivières, en traversant des fleuves, en traversant le désert, en traversant les vallées et les montagnes. Autrement dit, avec des hauts et des bas, comme chacun d'entre nous, avec des victoires et des déceptions, des questions et des réponses. Et le peuple d'Israël, il attend, et il attend, et il a attendu le Messie, le germe juste qui descend de David, et quand il est arrivé à Bethléem, et qu'il est mort et ressuscité à Jérusalem, ils ne l'ont pas reconnu. Du moins, pas certains d'entre eux. Et ils attendent encore, pour certains d'entre eux, qui viennent se manifester comme celui qui règne avec compétence et qui exerce le droit et la justice dans le pays. Donc on peut courir, attendre de manière active et passer à côté, mais on peut aussi attendre, courir et arriver au bout. Un peu comme Marie et Joseph, eux aussi sont obligés de se déplacer, Marie enceinte jusqu'aux dents. Hein. J'ai d'ailleurs jamais compris cette expression-là, mais bon. Enceinte jusqu'aux dents, en sachant très bien que pour une femme qui est enceinte, au 9e mois, que c'est un peu compliqué quand même et que ce n'est pas recommandé de se déplacer. Ils ont dû bouger tous les deux pour pouvoir accueillir eux aussi le Messie. Mais quand ils l'ont vu naître et quand ils ont entendu ce qu'on disait de lui, quelle joie ça a été. Alors nous aussi, on doit attendre. Nous devons attendre qu'ils reviennent. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de course. L'un des rares privilèges des confinements des deux dernières années, c'est qu'ils nous ont obligés à certains instants, à certains moments, de nous arrêter. Ils nous ont obligés à nous arrêter. Et d'une certaine manière, je crois que le Seigneur nous invite aussi dans ce temps-là à continuer de vivre cela. Il faut qu'on s'arrête, tout en restant spirituellement actif dans notre attente. Et moi, j'aime beaucoup l'image de la course. La course, course, à pied. Je suis toujours étonné de voir le temps que mettent les athlètes pour caler leurs pieds dans les starting blocks. Surtout pour les courses les plus rapides. Pour les courses les plus rapides, généralement, ils mettent plus de temps à se préparer qu'à courir. Pourquoi ? Parce qu'un 100 mètres ou un 200 mètres ou même un 400 mètres, c'est une course qui se joue au départ. C'est une course qui se joue au départ, sur la qualité du départ qu'on prend. Et l'invention, parce qu'autrefois ça n'existait pas, mais l'invention des starting blocks, ça a permis d'améliorer le temps de la course. Pour un 100 mètres
On est passé de 1912 en 10 secondes 6 à 9 secondes 58 en 2009. Sur 100 mètres, une seconde, quand tu cours, c'est une éternité. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de réaliser qu'on peut aller vite et spirituellement qu'on peut aller loin quand on prend appui sur le bon appui. D'où l'importance, aussi pour nous, dans ce temps de l'Avent, de savoir sur quoi nous nous appuyons pour vivre. Il y a un verset que j'aime tellement dans le psaume 71 qui dit la chose suivante. « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, Seigneur. » Ça veut dire qu'on peut commencer sa vie, ou on peut voir la vie de nos enfants s'épanouir en leur montrant où est le bon appui, et en vivant nous-mêmes sur le bon appui. Dès mon enfance, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, Seigneur. Alors, je vous rassure, vous avez passé l'état de nouveau-né. En tout cas, physiquement et humainement. Spirituellement, j'en sais rien, ça vous regarde vous. Vous avez passé cet état-là. Mais ça ne nous empêche pas, et ça ne doit pas nous empêcher, de continuer à nous appuyer sur le bon appui. Et ce qui est beau quand on regarde ces athlètes qui se mettent en place pour courir, c'est que les starting blocks, ils sont décalés l'un par rapport à l'autre. Il y en a un qui est plus en avant qu'un autre. Et je voudrais juste terminer en nous rappelant les deux points d'appui qui sont importants, même essentiels pour nous. Le premier, sur lequel nous devons poser notre vie, c'est ce que Dieu nous dit. C'est sur sa parole. Noël n'est pas arrivé en juste quelques semaines dans le plan de Dieu. Noël n'est pas arrivé dans le temps d'ouvrir des fenêtres d'un calendrier ou d'installer un sapin. C'est pendant des siècles que le peuple d'Israël a attendu son Messie. Et que les peuples qui sont couverts par les ténèbres attendent leur sauveur. Mais c'est cette espérance qui a été construite petit à petit qui devient un appui solide pour celui qui croit. Il faut que je croie ce que Dieu me dit. S'il dit que Jésus va revenir un jour, moi je vous le dis aussi avec lui qu'il va revenir un jour. D'accord. Dieu dit et il va le faire. Amen. Ok. Le deuxième appui, c'est l'amour qu'il a pour nous. C'est son amour qui est la seule chose solide sur laquelle je peux vraiment m'appuyer pour faire face à tout. À tout. C'est sur cet amour que le poids, tout le poids de l'accélération se pose. Ma vie se pose, où je peux aller de l'avant. Parce que je sais, que je sais, que je sais, que je sais que son amour, il est plus solide que tout. Alors j'ai juste envie de vous dire ce matin, alors allez-y, en avant. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu, appuyez-vous sur l'amour de Dieu et le Seigneur. Il sera avec nous. Et un jour, nous le verrons. Amen. Voulons prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Voulons tendre les mains vers toi. Et nous voulons dire ensemble, il y a des jours qui viennent, déclare l'Éternel.
Et nous pouvons le dire ici, nous pouvons le dire à la maison. Il y a des jours qui viennent, déclare l'Éternel. Il y a des jours qui viennent, dit l'Éternel, où toutes choses seront différentes. Il y a des jours qui viennent, déclare l'Éternel, et nous croyons que ce que tu dis, ça va s'accomplir. Tu l'as montré en permettant à Marie et Joseph de voir naître ton propre fils. Et ils l'ont accueilli comme tel. Tu l'as montré au peuple d'Israël quand tu lui as donné un pays et que tu l'as ramené, il n'y a pas si longtemps, à nouveau dans leur pays. Et si tu l'as fait pour eux, si tu l'as fait pour ton peuple, si tu l'as fait pour Marie et Joseph, si tu l'as fait pour tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu, ben tu le feras aussi pour nous. Nous voulons juste dire, Seigneur, ce matin que nous attendons. Mais nous n'attendons pas assis sur notre chaise que le temps passe. Mais nous attendons en nous appuyant sur tes promesses et sur ton amour. Nous attendons en allant de l'avant avec toi, en nous aimant les uns les autres, en portant cette lumière en nous que tu veux faire briller sur la terre, en laissant derrière nous les vieilles casseroles pour courir vers le but, comme Paul le dit. On n'a pas déjà saisi le prix, c'est ce qu'il dit aussi. On n'a pas encore remporté la victoire, mais nous marchons avec celui et derrière celui qui est victorieux. Alors donne-nous la force, en même temps de courir, dans le bon sens du terme, d'avancer vers toi et avec toi, et en même temps de nous prendre le temps pendant ces jours, de nous prendre le temps de chercher ta présence, de chercher ta face. Nous crions comme le peuple d'Israël qui t'a accueilli à Jérusalem, Jésus. Nous crions « Hosanna, viens à notre secours. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. » Amen.